chaleur, il fait particulièrement chaud aujourd'hui à Bonnard. Alors évidemment, c'est important parce que ça nous permet d'avoir un vidéo idéal pour faire bouger des avions. Les avions ayant des moteurs, on sait tous que les moteurs fonctionnent un petit peu plus difficilement quand il fait chaud, mais pour l'instant, à priori. C'est une configuration que l'on retrouvait quasiment quotidiennement avant l'arrivée dans le théâtre européen du V-51 Mustang, puisqu'avant l'arrivée du Mustang, le Spitfire était défini comme étant l'une des meilleures armes pour protéger les bombardiers contre les chasseurs allemands. Elle va accompagner un P-17. La forteresse volante, comme on l'appelle, tire ses sources au milieu des années 30, entre les deux guerres, où les États-Unis commencent à penser que le bombardement jouera un rôle majeur dans la protection de leur territoire. L'avenir leur donnera en partie raison. Le concept de bombardement stratégique émerge alors, avec un besoin ambitieux pour l'époque. Il faut être en mesure de transporter une tonne de bombes à 3000 km et le tout en moins de 10 heures. Parmi tous les avionneurs américains, Boeing souhaite se positionner et répondre à cette problématique. Mais nous sommes entre les deux guerres et dans une période de paix, l'aviation commerciale, elle, en est toujours à ses balbutiements, alors Boeing est presque fauché. Pourquoi développer cet avion qui Alors tout part toujours d'un dessin. On dessine sur une grande planche à dessiner un avion dont les formes nous semblent cohérentes et dont les moteurs nous semblent habilement faciles. L'ensemble, ça se passe en face de nous, ça a une soute qui peut s'ouvrir pour l'archer beaucoup d'armement. Et évidemment, on arrive à faire voler un avion à l'aide de deux moteurs Pratt & Whitney de près de 750 chevaux chacun. C'est donc décidé, cet avion sera un quadrimoteur, surpuissant certes, mais tout aussi maniable. Il verra le jour et à ce stade de développement, il s'appelle encore le Boeing 299. Il volera pour la première fois en 1935. On parlait tout à l'heure avec nos camarades de la DGA des certifications. Eh bien, la phase d'essai en vol mettra l'avion à rude épreuve et le prototype 299 sera finalement détruit. Il aura pourtant de bons loyaux services, il a traversé l'équivalent de la traversée sur les États-Unis en moins de 10 heures. Le test est concluant. Test concluant, le gouvernement américain a choisi de faire confiance à Boeing et précommande une douzaine d'appareils. Et le reste, ça se passe sur le front européen, du bombardier stratégique, l'avion devient une véritable forteresse volante capable d'assurer sa protection tous azimuts. Parce que oui, pourquoi on l'appelle forteresse volante? On l'appelle forteresse volante parce qu'à bord de l'appareil, en plus de l'armement qui va être délivré pour détruire des objectifs stratégiques, on aura des pionniers, des garçons qui sont derrière, au-dessus, en dessous et même devant, qui ont des énormes mitrailleurs de 1,7 km, en général ce sont des bandits. Et ils vont arroser tous azimuts, toute menace qui viendra se présenter au niveau du P-17. Ils vont protéger l'équipage, ils vont protéger la cargaison pour permettre à l'avion d'assurer sa mission. Au fil de son développement, il y a avec une production aéronautique qui allait devoir suivre un rythme absolument effréné. Et au cœur du conflit, Boeing est en mesure de sortir 16 avions par jour. L'usine Boeing, oui, car l'avion, lui, il a été également produit par d'autres avionneurs, par Douglas, par le Vickie, le Rick
qualité de cette production accentuera la sensation de guerre totale, hein, comme on disait, où 6 millions de femmes travaillent quotidiennement avec acharnement dans toutes les usines de conception aéronautique. Parmi elles, un symbole devenu aujourd'hui extrêmement populaire, Rosie la lifteuse, alors comme elle le dit si bien, we can do it. Ces avions, en plus de donner des coups, ils étaient capables d'en recevoir, de garder la tête haute et, dans la majorité des cas les plus favorables, pouvaient rentrer à leur base d'attache pour effectuer eh bien, une mission différente le lendemain, mais une mission tout aussi capitale dans la quête de liberté. D'autres avions allaient les relever en l'air, etc., etc., pour continuer à protéger ces avions. Alors que le Spitfire évolue au-dessus de nous, vous pouvez voir que celui-ci a la tête exacte du Spitfire qu'on imagine. Quand on pense à ce nom-là, les ailes sont parfaitement elliptiques. Et si vous regardez, comparé à l'autre, il n'a qu'un seul radiateur. Un seul radiateur, ça veut dire un petit peu moins de refroidissement. Et par ses fortes chaleurs, vous doutez que le moteur est mis à rude épreuve. Et pourtant, plus de 70 ans après sa conception, regardez, cet avion vole toujours à merveille. Mission accomplie pour le B-17, le pilote, le navigateur, le copilote, ainsi que tous les responsables des systèmes d'armement ont pu rentrer sur leur base. Ils vont aller débriefer leur mission, naturellement, peut-être boire une bière au pub, et puis, dès le lendemain matin, replanifier la mission suivante, car la guerre, elle, ne va s'achever que dans 3 ans.